Salut à tous. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui peut parfois être difficile à entendre, mais qui est d'une importance capitale pour notre progression personnelle, les comportements qui nous empêchent d'avancer. Nous avons tous des rêves, des objectifs et des aspirations dans la vie, mais trop souvent, nous nous retrouvons coincés, stagnants, sans pouvoir réellement avancer vers ce que nous désirons. Vous savez, il est facile de blâmer les circonstances extérieures ou de trouver des excuses pour justifier notre immobilisme. Mais la vérité est que dans de nombreux cas, ce sont nos propres comportements qui nous retiennent et nous maintiennent dans cette zone de confort qui nous limite. Aujourd'hui, je vais vous présenter 12 de ces comportements qui, si nous les laissons prendre le dessus, nous condamnent à stagner et à ne pas réaliser notre plein potentiel. Alors, si vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure, à vous confronter à vous-même et à faire les changements nécessaires pour avancer, je vous invite à rester avec moi tout au long de cette vidéo. Je vais vous présenter ces 12 comportements qui vous empêchent d'avancer. Préparez-vous à sortir de votre zone de confort, à défier vos limites et à prendre le contrôle de votre destinée. Ensemble, nous allons briser ces chaînes qui nous retiennent et nous propulser vers un avenir meilleur. Alors, sans plus attendre, commençons cette incroyable aventure vers le changement et le progrès. Le premier comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est la procrastination. Si vous voulez réellement avancer dans la vie, il y a un comportement que vous devez absolument éliminer, la procrastination. C'est un véritable fléau qui vous retient prisonnier de l'inaction et vous empêche d'atteindre vos objectifs. La procrastination, c'est lorsque vous remettez constamment à plus tard ce que vous devriez faire maintenant. Vous savez, ce sentiment de repousser vos responsabilités jusqu'à ce qu'elles deviennent urgentes, voire même impossibles à réaliser dans les délais impartis. Cela peut sembler anodin, mais laissez-moi vous dire que cela peut avoir des conséquences désastreuses sur votre vie. Lorsque vous procrastinez, vous perdez un temps précieux. Ce temps pourrait être utilisé de manière productive pour avancer vers vos objectifs. Au lieu de cela, vous le gaspillez en repoussant les choses à faire, en vous distrayant par des activités sans importance. Vous vous retrouvez coincé dans une spirale de l'inaction, où chaque jour se ressemble et où vous ne faites aucun progrès réel. Et ce n'est pas tout. La procrastination affecte également votre estime de soi. Chaque fois que vous remettez à plus tard une tâche importante, vous ressentez un sentiment de culpabilité et de frustration. Vous savez que vous auriez pu faire mieux, mais vous avez choisi de vous laisser emporter par la facilité de la procrastination. Cela nourrit un cercle vicieux où vous vous dévalorisez de plus en plus, ce qui ne fait qu'aggraver votre incapacité à avancer. Maintenant, je veux que vous compreniez une chose, personne ne va réaliser vos rêves à votre place. Vous êtes le seul responsable de votre succès ou de votre échec. Si vous continuez à procrastiner, vous ne pourrez jamais accomplir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il est temps de prendre conscience de cette réalité et de passer à l'action. Rappelez-vous que chaque petite action compte. Chaque fois que vous résistez à la tentation de procrastiner et que vous agissez plutôt que de remettre à plus tard, vous vous rapprochez un peu plus de votre réussite. Ne laissez pas la procrastination vous voler votre potentiel. Prenez le contrôle de votre vie et avancez avec détermination. Le deuxième comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est le manque d'organisation. Le manque d'organisation est l'un des principaux obstacles qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Imaginez-vous en train de construire une maison sans plan ni fondation solide. Croyez-moi, cela ne mènera à rien de bon. Vous devez comprendre qu'être désorganisé ne fait que semer le chaos dans votre vie. Cela vous laisse dépassé, submergé par les tâches et les responsabilités qui s'accumulent. Sans une structure claire, vous vous retrouvez dispersé, incapable de vous concentrer sur les priorités essentielles. La vérité est que l'organisation est la clé de la réussite. C'est le fondement sur lequel vous pouvez construire vos objectifs et atteindre vos aspirations. Lorsque vous êtes bien organisé, vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir et des étapes nécessaires pour y parvenir. Vous pouvez établir des priorités, gérer votre temps de manière efficace et maximiser votre productivité. En revanche, le manque d'organisation vous conduit à l'échec. Vous perdez un temps précieux à chercher des informations, à répéter des tâches inutiles et à vous sentir constamment débordé. Votre énergie est dispersée dans toutes les directions et vous vous retrouvez coincé dans un cycle d'inaction et de stagnation. Pour avancer dans la vie, vous devez prendre le contrôle de votre organisation. Cela signifie établir des routines solides, planifier votre journée et définir des objectifs clairs. Vous devez également apprendre à déléguer lorsque cela est possible et à hiérarchiser vos tâches en fonction de leur importance. En faisant preuve de discipline et de rigueur dans votre organisation, vous créerez un environnement propice à votre réussite. Ne laissez pas le manque d'organisation vous retenir. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour mettre de l'ordre dans votre vie. Prenez le temps de vous organiser, de planifier et d'exécuter avec détermination.
Vous verrez que chaque petite étape que vous franchirez vous rapprochera de vos objectifs et vous permettra d'avancer vers un avenir radieux. Le troisième comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est le manque de clarté dans vos objectifs. Le manque de clarté dans vos objectifs est un obstacle majeur qui vous empêche d'avancer dans la vie. Imaginez-vous au volant d'une voiture sans destination précise. Vous tournez en rond, sans savoir où aller ni comment y arriver. Croyez-moi, cela ne vous mènera nulle part. Vous devez comprendre que des objectifs flous et mal définis ne font que semer la confusion dans votre esprit. Sans une vision claire de ce que vous voulez accomplir, vous vous retrouvez errant sans but, sans motivation ni direction. Vous êtes comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues de l'indécision. La vérité est que la clarté dans vos objectifs est essentielle pour atteindre le succès. C'est comme planter un drapeau au sommet d'une montagne, vous savez exactement où vous voulez arriver et vous pouvez tracer un itinéraire précis pour y parvenir. Lorsque vos objectifs sont clairs, vous pouvez vous concentrer sur les actions concrètes à entreprendre pour les réaliser. En revanche, le manque de clarté vous maintient dans l'incertitude et l'inaction. Vous perdez un temps précieux à tergiverser, à vous demander quel chemin prendre et à remettre à plus tard vos décisions importantes. Votre énergie est gaspillée dans des directions multiples et vous vous retrouvez prisonnier de la procrastination et de l'indécision. Pour avancer dans la vie, vous devez vous engager à définir des objectifs clairs et précis. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment réaliser et décomposez vos objectifs en étapes réalisables. Fixez des échéances et tenez-vous à votre plan. La clarté vous donnera la motivation nécessaire pour agir avec détermination et persévérance. Ne permettez pas au manque de clarté de vous retenir. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour clarifier vos objectifs. Visualisez votre succès, soyez précis dans vos intentions et engagez-vous pleinement dans la réalisation de vos rêves. Vous êtes capable d'accomplir de grandes choses, mais cela commence par une clarté absolue sur ce que vous voulez atteindre. N'oubliez pas, la clarté est la clé de votre succès. Ne laissez pas l'indécision vous paralyser. Prenez les choses en main dès maintenant et tracez un chemin clair vers votre réussite. Vous méritez d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux, et la clarté est l'outil qui vous permettra de les concrétiser. Le quatrième comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est le perfectionnisme excessif. Le perfectionnisme excessif est un véritable piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Imaginez-vous en train de construire un mur, mais vous passez tellement de temps à vouloir que chaque brique soit parfaite que vous ne parvenez jamais à terminer le mur. Croyez-moi, cela ne vous mènera nulle part. Le perfectionnisme excessif est un obstacle majeur qui vous empêche d'avancer dans la vie. Vous vous retrouvez constamment insatisfait, cherchant toujours à atteindre des standards impossibles à atteindre. Vous vous perdez dans les détails, vous remettez en question chaque décision et vous vous épuisez mentalement et émotionnellement. La vérité est que le perfectionnisme excessif est une illusion dangereuse. Rien ni personne n'est parfait, et poursuivre constamment la perfection vous condamne à l'inaction et à la stagnation. Vous n'osez pas agir de peur de faire des erreurs, de ne pas être à la hauteur ou d'être jugé par les autres. En revanche, lâcher prise sur le perfectionnisme vous libère d'un fardeau écrasant. Vous pouvez enfin avancer, prendre des initiatives et vous améliorer en cours de route. Lorsque vous acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler et que vous vous autorisez à faire des erreurs, vous ouvrez la voie à l'apprentissage, à la croissance et à de nouvelles opportunités. Pour avancer dans la vie, vous devez apprendre à vous affranchir du perfectionnisme excessif. Acceptez que l'imperfection fait partie intégrante de l'expérience humaine. Fixez-vous des normes réalistes, concentrez-vous sur l'effort et la progression plutôt que sur la recherche de la perfection absolue. Apprenez à vous pardonner lorsque vous faites des erreurs et à vous féliciter pour vos réalisations, même si elles ne sont pas parfaites. Ne laissez pas le perfectionnisme excessif vous retenir. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour vous libérer de cette quête illusoire de perfection. Autorisez-vous à avancer, à prendre des risques et à apprendre de vos erreurs. Vous méritez de progresser et de vous épanouir, et cela ne peut se faire qu'en abandonnant le fardeau du perfectionnisme. N'oubliez pas, le progrès prime sur la perfection. Ne laissez pas le perfectionnisme excessif vous paralyser. Prenez les choses en main dès maintenant et avancez avec confiance, en sachant que chaque pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Vous êtes capable d'accomplir de grandes choses, mais cela commence par lâcher prise sur le besoin d'être parfait. Le cinquième comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec est un véritable poison qui vous empêche de progresser dans la vie. Imaginez-vous sur une piste de course, mais vous restez figé par la peur de trébucher et de tomber. Croyez-moi, cela ne vous mènera nulle part. La peur de l'échec est un obstacle majeur qui vous retient prisonnier de votre zone de confort. Vous vous imaginez le pire scénario possible, vous vous dites que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne réussirez jamais.
Cette peur vous paralyse, vous empêche de prendre des risques et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. La vérité est que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance. Personne ne réussit du premier coup à chaque fois. Les erreurs sont des occasions précieuses d'apprendre, de vous améliorer et de vous rapprocher de votre réussite. Mais si vous laissez la peur de l'échec vous paralyser, vous vous privez de ces opportunités et vous vous condamnez à stagner. En revanche, faire face à la peur de l'échec vous libère d'un fardeau écrasant. Vous pouvez enfin vous autoriser à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouvelles possibilités. L'échec devient simplement une étape sur le chemin de la réussite, une leçon qui vous rapproche de vos objectifs. Pour avancer dans la vie, vous devez apprendre à surmonter la peur de l'échec. Acceptez que l'échec est une partie normale du processus. Changez votre perception de l'échec et voyez-le comme une occasion d'apprendre et de grandir. Fixez-vous des objectifs réalistes, prenez des mesures concrètes et concentrez-vous sur le progrès plutôt que sur le résultat final. Ne laissez pas la peur de l'échec vous retenir. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour faire face à cette peur et l'affronter avec courage. Autorisez-vous à échouer, à apprendre de vos erreurs et à vous relever plus fort. Vous méritez de réussir, mais cela nécessite de surmonter la peur de l'échec et de persévérer malgré les obstacles. N'oubliez pas, le véritable échec réside dans la non-action. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Prenez les choses en main dès maintenant et avancez avec confiance, sachant que chaque expérience, qu'elle soit couronnée de succès ou d'échec, vous rapproche de votre réussite. Vous êtes capable d'accomplir de grandes choses, mais cela commence par surmonter la peur de l'échec. Le sixième comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi est un véritable poison qui vous empêche de progresser dans la vie. Imaginez-vous sur une scène, mais vous doutez constamment de vos compétences, de votre valeur et de votre capacité à réussir. Croyez-moi, cela ne vous mènera nulle part. Le manque de confiance en soi est un obstacle majeur qui vous retient prisonnier de votre potentiel. Vous vous sous-estimez, vous vous comparez aux autres et vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur. Cette absence de confiance vous paralyse, vous empêche de prendre des initiatives et vous prive des opportunités qui se présentent à vous. La vérité est que la confiance en soi est essentielle pour atteindre le succès. Lorsque vous croyez en vous-même, vous pouvez vous affirmer, prendre des décisions audacieuses et persévérer face aux défis. La confiance en soi est le fondement sur lequel vous construisez votre estime de soi, votre motivation et votre résilience. En revanche, cultiver la confiance en soi vous libère d'un fardeau écrasant. Vous pouvez enfin vous autoriser à croire en vos capacités, à vous affirmer et à relever des défis ambitieux. La confiance en soi devient une force motrice qui vous pousse à agir, à prendre des risques calculés et à vous surpasser. Pour avancer dans la vie, vous devez apprendre à cultiver votre confiance en vous-même. Acceptez que vous avez des talents, des compétences et des qualités uniques. Célébrez vos réussites, grandes et petites, et utilisez-les comme des preuves de votre valeur. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes, et pratiquez l'autocompassion. Ne laissez pas le manque de confiance en soi vous retenir. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour développer votre confiance. Engagez-vous à sortir de votre zone de confort, à relever des défis et à apprendre de vos expériences, qu'elles soient couronnées de succès ou d'échecs. Vous méritez d'avancer avec confiance et assurance, et cela commence par croire en vous-même. N'oubliez pas, la confiance en soi est la clé de votre réussite. Ne laissez pas le manque de confiance vous paralyser. Prenez les choses en main dès maintenant et avancez avec détermination, sachant que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Vous méritez de réaliser vos rêves les plus audacieux, mais cela commence par cultiver une confiance inébranlable en vous-même. Le septième comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est l'indécision chronique. L'indécision chronique est une véritable entrave qui vous empêche d'avancer dans la vie. Imaginez-vous face à un carrefour, mais vous êtes incapable de choisir une direction. Vous vous perdez dans un océan d'options, vous hésitez sans cesse et vous stagnez. Croyez-moi, cela ne vous mènera nulle part. L'indécision chronique est un obstacle majeur qui vous maintient dans un état d'inaction. Vous passez un temps précieux à peser le pour et le contre, à craindre les conséquences de chaque choix et à vous inquiéter de prendre la mauvaise décision. Cette attitude vous paralyse, vous prive de progrès et vous laisse dans un état de stagnation frustrant. La vérité est que l'indécision chronique est un piège dangereux qui vous retient prisonnier de l'immobilisme. Vous vous empêchez d'agir, vous laissez les opportunités passer devant vous et vous vous condamnez à une vie de regrets. L'indécision vous empêche d'explorer de nouvelles voies, d'apprendre de vos expériences et de vous développer personnellement. En revanche, prendre des décisions fermes et agir vous libère d'un fardeau étouffant. Vous pouvez enfin vous autoriser à choisir, à vous engager dans une direction et à avancer avec conviction.
L'indécision devient un lointain souvenir, tandis que vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités et que vous progressez vers vos objectifs. Pour avancer dans la vie, vous devez apprendre à surmonter l'indécision chronique. Acceptez que prendre des décisions est une partie normale de la vie et que l'immobilisme ne vous mènera nulle part. Prenez le temps d'analyser les options, évaluez les risques et les bénéfices, puis faites confiance à votre instinct et prenez une décision. Soyez prêt à accepter les conséquences de vos choix, qu'elles soient positives ou négatives. Ne laissez pas l'indécision chronique vous retenir. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour surmonter ce comportement. Engagez-vous à faire des choix fermes, à prendre des décisions éclairées et à agir avec détermination. Vous méritez d'avancer avec confiance et assurance, et cela commence par surmonter l'indécision qui vous entrave. N'oubliez pas, la vie est trop courte pour rester coincée dans l'indécision. Ne laissez pas les doutes ou les peurs vous paralyser. Prenez les choses en main dès maintenant et avancez avec détermination, sachant que chaque décision est une opportunité d'apprendre et de grandir. Vous méritez de vivre une vie épanouissante et alignée avec vos aspirations, mais cela dépend de votre capacité à surmonter l'indécision chronique. Le huitième comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est la tendance à se laisser distraire facilement. La tendance à se laisser distraire facilement est un véritable fléau qui vous empêche d'avancer dans la vie. Imaginez-vous en train de travailler sur un projet important, mais vous vous laissez constamment distraire par les notifications de votre téléphone, les réseaux sociaux, ou même les pensées qui vagabondent dans votre esprit. Croyez-moi, cela ne vous mènera nulle part. La tendance à se laisser distraire facilement est un obstacle majeur qui vous détourne de vos objectifs. Vous perdez un temps précieux à céder aux tentations de l'instant présent, vous vous éparpillez dans des tâches sans importance et vous procrastinez sur les choses qui comptent vraiment. Cette attitude vous empêche de rester concentré, de faire preuve de discipline et de réaliser des progrès significatifs. La vérité est que se laisser distraire facilement est un poison silencieux qui sabote votre productivité et votre réussite. Vous vous éloignez de vos priorités, vous vous dispersez dans des activités futiles et vous vous retrouvez submergé par une multitude de tâches non essentielles. La tendance à la distraction vous maintient dans un cycle de démotivation et d'inefficacité. En revanche, si vous développez la capacité à vous concentrer et à résister aux distractions, vous pouvez libérer tout votre potentiel. Vous pouvez enfin vous immerger pleinement dans les tâches importantes, vous maintenir sur la voie de vos objectifs et accomplir des résultats remarquables. La concentration devient votre allié, vous permettant d'atteindre une productivité optimale et de réaliser vos aspirations. Pour avancer dans la vie, vous devez apprendre à maîtriser votre tendance à vous laisser distraire facilement. Acceptez que votre temps et votre énergie sont des ressources précieuses et que les distractions ne font que les dilapider. Identifiez les facteurs qui vous distraient le plus et prenez des mesures concrètes pour les éliminer ou les limiter. Établissez des routines, mettez en place des environnements propices à la concentration et exercez-vous à la pleine conscience. Ne laissez pas la tendance à vous laisser distraire facilement vous retenir. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour vous discipliner et vous focaliser sur l'essentiel. Engagez-vous à éliminer les distractions inutiles, à vous concentrer sur vos objectifs et à travailler avec acharnement pour les réaliser. Vous méritez d'avancer avec détermination et de donner le meilleur de vous-même. N'oubliez pas, votre capacité à vous concentrer est la clé de votre productivité et de votre réussite. Ne laissez pas les distractions vous voler votre potentiel. Prenez les choses en main dès maintenant et avancez avec fermeté, sachant que la maîtrise de votre attention est le chemin vers des accomplissements exceptionnels. Le neuvième comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est le manque de persévérance. Le manque de persévérance est une véritable faiblesse qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Imaginez-vous en train de démarrer un projet passionnant, mais dès que vous rencontrez les premières difficultés, vous abandonnez. Vous cédez à la tentation de l'abandon et vous laissez vos rêves s'évaporer. Croyez-moi, cela ne vous mènera nulle part. Le manque de persévérance est un obstacle majeur qui vous retient dans un cycle d'échecs répétés. Au lieu de persévérer face aux défis, vous vous découragez rapidement et vous abandonnez trop facilement. Vous ne donnez pas à vos efforts le temps nécessaire pour porter leurs fruits, et vous vous privez des résultats gratifiants qui pourraient être les vôtres. La vérité est que le manque de persévérance est un poison qui sabote votre succès. Les grandes réalisations ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné, d'une résilience et d'une persistance indéfectibles. En abandonnant prématurément, vous vous condamnez à la médiocrité et vous laissez vos rêves s'évanouir. En revanche, si vous développez une persévérance inébranlable, vous pouvez surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Vous pouvez vous relever après chaque échec, apprendre de vos erreurs et continuer à avancer avec détermination. La persévérance devient votre allié, vous permettant de surmonter les défis, d'atteindre des sommets et de réaliser vos aspirations. Pour avancer dans la vie, vous devez cultiver la persévérance comme une qualité essentielle.
Acceptez que le chemin du succès est pavé d'obstacles, de revers et de moments difficiles. Croyez en votre capacité à faire face à ces défis et à persévérer jusqu'à la victoire. Visualisez vos objectifs, définissez un plan d'action solide et engagez-vous à aller jusqu'au bout, quels que soient les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Ne laissez pas le manque de persévérance vous retenir. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour développer cette qualité essentielle. Ne laissez pas les échecs vous décourager, mais utilisez-les comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Restez concentré sur vos objectifs, persévérez avec passion et tenez bon, même lorsque cela semble difficile. N'oubliez pas, la persévérance est la clé de votre réussite. Ne laissez pas les revers vous arrêter. Prenez les choses en main dès maintenant et avancez avec une détermination inébranlable, sachant que chaque pas que vous faites vous rapproche de vos rêves les plus audacieux. Le 10e comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est le manque de remise en question. Le manque de remise en question est un véritable obstacle qui vous empêche de progresser. Vous vous enfermez dans une vision rigide de vous-même et du monde qui vous entoure, refusant de remettre en question vos croyances, vos attitudes et vos actions. Croyez-moi, cela ne vous mènera nulle part. Le manque de remise en question est une faiblesse qui vous maintient dans une stagnation perpétuelle. Au lieu d'ouvrir votre esprit à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives et à de nouvelles possibilités, vous restez fermement attaché à vos vieilles habitudes et à vos schémas de pensée limités. Vous vous privez ainsi des opportunités de croissance, d'apprentissage et de développement personnel. La vérité est que le manque de remise en question est un poison qui étouffe votre potentiel. Les grandes avancées dans la vie viennent de la capacité à se remettre en question, à remettre en question ses propres croyances et à remettre en question les normes établies. En refusant de remettre en question, vous vous condamnez à la stagnation, à la répétition des mêmes erreurs et à un manque de progression. En revanche, si vous cultivez une attitude de remise en question constante, vous ouvrez la porte à de nouveaux horizons. Vous remettez en question vos croyances limitantes, vos comportements destructeurs et vos schémas de pensée obsolètes. Vous vous engagez dans un processus continu d'auto-évaluation, d'apprentissage et d'amélioration. La remise en question devient votre allié, vous permettant de vous adapter, de grandir et de vous épanouir. Pour avancer dans la vie, vous devez développer la capacité à vous remettre en question de manière régulière et honnête. Soyez prêt à remettre en question vos idées préconçues, vos habitudes et vos croyances profondément enracinées. Soyez ouvert aux opinions divergentes, aux critiques constructives et aux nouvelles informations. Soyez prêt à remettre en question vos choix passés et à ajuster votre trajectoire si nécessaire. Ne laissez pas le manque de remise en question vous retenir. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour cultiver cette qualité essentielle. Remettez en question vos propres pensées et actions, soyez prêt à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouvelles voies. Adoptez une attitude de curiosité, d'humilité et d'ouverture d'esprit, car c'est là que réside le véritable potentiel de croissance. N'oubliez pas, la remise en question est la clé de votre évolution. Ne vous accrochez pas obstinément à vos idées et à vos comportements passés. Prenez les choses en main dès maintenant et avancez avec une volonté ferme de vous remettre en question, sachant que c'est par là que se trouve le chemin vers une vie plus riche, plus épanouissante et plus significative. Le 11e comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est la négligence de l'apprentissage continu. La négligence de l'apprentissage continu est une véritable erreur qui vous empêche de progresser. En ignorant l'importance de l'apprentissage constant, vous vous condamnez à la stagnation et vous manquez d'opportunités d'évolution. Croyez-moi, cela ne vous mènera nulle part. La négligence de l'apprentissage continu est un frein majeur à votre développement personnel et professionnel. Au lieu de chercher constamment à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et de nouvelles perspectives, vous vous complaisez dans une zone de confort figée. Vous vous contentez de ce que vous savez déjà, sans réaliser que le monde évolue rapidement et que l'apprentissage est essentiel pour rester à la pointe. La vérité est que la négligence de l'apprentissage continu est un poison qui limite votre potentiel. Les grandes réalisations viennent de la volonté de se remettre en question, de s'adapter aux changements et d'apprendre en permanence. En négligeant l'apprentissage continu, vous vous enfermez dans des schémas obsolètes et vous vous privez des opportunités d'innovation, de croissance et de réussite. En revanche, si vous embrassez l'apprentissage continu, vous ouvrez la porte à des possibilités infinies. Vous recherchez activement de nouvelles connaissances, vous vous engagez dans des formations, vous lisez des livres, vous suivez des cours en ligne et vous vous entourez de personnes inspirantes. Vous comprenez que l'apprentissage est un processus continu qui vous permet de vous améliorer constamment et de vous adapter à un monde en perpétuelle évolution. Pour avancer dans la vie, vous devez faire de l'apprentissage continu une priorité absolue. Ne vous reposez pas sur vos acquis, mais cherchez constamment à vous améliorer. Investissez du temps, de l'énergie et des ressources dans votre développement personnel et professionnel.
Soyez curieux, soyez avide de nouvelles connaissances et prêt à sortir de votre zone de confort pour acquérir de nouvelles compétences. Ne laissez pas la négligence de l'apprentissage continu vous retenir. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour cultiver cette qualité essentielle. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage, planifiez votre développement, entourez-vous de personnes qui vous inspirent et engagez-vous à apprendre chaque jour. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'apprentissage pour transformer votre vie et vous propulser vers de nouveaux horizons. N'oubliez pas, l'apprentissage continu est la clé de votre croissance. Ne négligez pas cette opportunité d'évolution. Prenez les choses en main dès maintenant et avancez avec une détermination inébranlable pour apprendre, grandir et atteindre de nouveaux sommets. Enfin, le 12e comportement qui fait que ta vie n'avance pas, c'est la comparaison excessive avec les autres. La comparaison excessive avec les autres est un piège dans lequel beaucoup tombent, et il est temps d'y mettre un terme. En vous comparant constamment aux autres, vous vous sabotez et vous vous empêchez d'avancer vers vos propres objectifs. Croyez-moi, cela ne vous mènera nulle part. La comparaison excessive avec les autres est une véritable perte de temps et d'énergie. Au lieu de vous concentrer sur votre propre parcours, vos propres progrès et votre propre croissance, vous vous laissez distraire par ce que les autres font, ce qu'ils ont et ce qu'ils ont accompli. Vous vous comparez sans cesse, en vous sentant soit inférieur, soit supérieur, et cela vous épuise mentalement et émotionnellement. La vérité est que la comparaison excessive avec les autres est un poison qui détruit votre confiance en vous et votre estime personnelle. Chaque individu a sa propre trajectoire, ses propres talents et ses propres défis. En vous comparant constamment, vous niez votre propre valeur et vous vous fixez des standards impossibles à atteindre. Vous vous condamnez à une course sans fin, à la poursuite d'une illusion de perfection qui n'existe pas. En revanche, si vous cessez de vous comparer aux autres, vous vous libérez d'un fardeau inutile. Vous commencez à vous concentrer sur vos propres objectifs, vos propres progrès et vos propres réalisations. Vous reconnaissez que chaque personne a un chemin unique et que vous êtes sur le vôtre. Vous appréciez vos propres talents et vous travaillez à exploiter votre plein potentiel. Pour avancer dans la vie, vous devez abandonner la comparaison excessive avec les autres. Cessez de vous mesurer à leur succès, à leur apparence ou à leur statut. Concentrez-vous sur votre propre croissance et votre propre bonheur. Cultivez l'estime de soi, la confiance en vos capacités et la gratitude pour ce que vous avez déjà accompli. Ne laissez pas la comparaison excessive avec les autres vous retenir. Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour mettre fin à ce comportement destructeur. Apprenez à vous apprécier vous-même, à vous accepter tel que vous êtes et à vous concentrer sur votre propre évolution. Soyez votre propre mesure de succès et ne laissez pas les autres définir votre valeur. N'oubliez pas, votre parcours est unique et précieux. Ne gaspillez pas votre énergie à vous comparer aux autres. Prenez les choses en main dès maintenant et avancez avec une détermination inébranlable pour vous concentrer sur votre propre croissance et votre propre bonheur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que vous avez pu prendre conscience de ces 12 comportements qui vous empêchent d'avancer. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Ne laissez plus ces comportements négatifs vous retenir. Soyez déterminés, soyez courageux et adoptez de nouvelles habitudes qui favorisent votre progression. Le pouvoir de changer est entre vos mains. Allez de l'avant et réalisez vos rêves. Vous en êtes capables.